Ok, ça brille. Tranquille les amis, tranquille, ça va, il en reste pas mal. La pression! La pression! Regardez-moi ça! 156 signés de la galaxie. Tout ça, on va claquer ça, tout ça juste avant le tournoi, les amis. Histoire de donner un maximum de force à tous nos valeureux combattants qui vont s'affronter ce soir. On va regarder au niveau de son compte qu'est-ce que Brumen a ce dont il a besoin. Sachant que, bien sûr, voilà, vous en doutez bien, un compte qui n'a pas invoqué 156 Moonlight, c'est un compte qui n'a pas forcément beaucoup de Moonlight, ou en tout cas, qui a bien économisé. Et c'est un peu le cas de Brumen. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il veut, ça c'est sûr. On va aller regarder un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses, finalement, ici, qui sont très intéressantes. Il y a LRK, il y a Flidika potentiellement, Briseria, voilà, il y a prochainement un up du perso, why not. En plus de ça, voilà, pour l'instant, même comme elle est à l'heure actuelle, si on a la speed, si on a de quoi jouer le perso dans sa composition, c'est un excellent personnage. Donc voilà, en plus du up, on le sait, hein, le up en général des Moonlight, voilà, c'est quand même conséquent, on l'a vu récemment avec MLR Aminta. Donc là, hâte de voir un peu ce que ça va donner. Ici, on a toujours le Riolet qui est prenable. Cigarette opératrice contre de la stall en ce moment. En vrai, dans la méta, c'est quand même assez fort. Hein, ce qui prédomine un petit peu au niveau des compositions. Dites-moi si je me trompe, mais c'est surtout toutes les teams qui... soit on joue la speed avec du contrôle. Cerise, notamment, avec son buff qui l'a rendu vraiment très très puissante. Et on la voit maintenant beaucoup plus ressortir un petit peu de partout. Même dans les défenses, ça marche très très bien. Et on a de l'autre côté, eh bien, tout simplement, la stall. Donc vraiment des compositions qui sont très tanky. Et pour cela, justement, Cigarette Opératrice est là pour aller détruire les Team Stall, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est un personnage qui, au vu de la méta, est pas dégueu. Cécile a déchu, bien sûr, à les récupérer. On a déjà la Luluka top modèle, on se met bien. Salut Mouloud, salut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ravi Apocalypse, c'est pas très méta, mais pourquoi pas. Moi, je sais que là, en ce moment, j'ai stuff la mienne. Et honnêtement, c'est ok. Honnêtement, c'est ok, j'arrive à en faire des choses sympas, donc pourquoi pas. MLKN, il a du mal avec la méta, ça c'est vrai, c'est vrai. Il est vrai que MLKN souffre, pas forcément du fait que son kit soit trop faible, mais sauf que, voilà, en fait, il prend des dommages collatéraux à cause des méta qui arrivent, etc. ML Léo, best perso. Ça c'est vrai, t'avais testé ça, Maël. T'avais testé ça. Ah, il y a une Sidom. Voilà, on parle des 5 étoiles, mais bon, il y a toujours Sidom qui est prenable, qui est extrêmement intéressante. Vous le savez pour les petits combos cleave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Araminta, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, y a, les team control fonctionnent très très bien en ce moment. Et bien voilà, ML Araminta avec son buff, je la trouve vraiment incroyable au niveau de ses brûlures. Je vous montrerai la mienne sur mon compte si vous voulez, mais voilà, c'est un pic qui je trouvais très solide. Sur une tempête, on en a déjà une. Vildred l'arbitre qui n'est pas sur ce compte. Voilà, donc si jamais on arrive à choper un Vildred de l'arbitre, tout simplement, eh bien, ça sera le jour et la nuit, ce compte, hein, voilà. Ténébrier Spectral, bien entendu. Qu'est-ce qui peut être super intéressant? Auxiliaire Lot, Roman Bienveillant, Tywin Ambitieux, bien sûr, pour des team control. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à récupérer, jusqu'ici j'en ai pas parlé. Ruelle de Lumière, il y en a déjà une sur ce compte, ça c'est assez incroyable. J'ai beaucoup de pression, je vais pas vous le cacher les amis. Voilà, beaucoup de pression en moi parce que c'est quelque chose. Ouais, tu confies 150 signés Moonlight à quelqu'un. C'est... je m'en voudrais de ne pas faire une si bonne session de malade mental. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup. Honnêtement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, c'est une première d'avoir une, entre guillemets, si grosse si bonne session. En général, quand on fait des summon sessions, voilà, il y a certes beaucoup de signés, etc. Mais par exemple, quand il y a une grosse summon session avec 1000 signés, et à côté de ça, je sais pas, une vingtaine de signés de la galaxie, en vrai, c'est surtout les 20 signés de la galaxie qui priment, quoi. C'est la pression pour ces signés-là, quoi. Et là, il y en a 156. 8, 5, 2 et 6. Eh bien, les amis, le destin nous a réunis ce soir sur ce Shaden 8526. 8526 du coup qui sera le peut-être le channel eh bien qui marquera les esprits. Ah là là, j'ai trop de pression. Parce qu'en plus je sais que ça va aller vite.
Il y a 156 nids, ça va aller vite. Allez, on va aller jusqu'à la première brillance, les amis. C'est parti. Insane, insane, attendez, attendez. Cypher, merci beaucoup Cypher pour ton Prime. Tu soutiens la chaîne. Merci beaucoup, bro. Alors, Sven, c'est pas quelque chose qu'on veut en général. Hein. Sur une Moonlight, on va à chaque fois reset, je pense que c'est important. Je le rappelle, mais théoriquement, une chance sur trois que ça brille. À chaque fois que je vais cliquer, c'est une chance sur trois que ça brille. Puisqu'on a 30% voilà, ici de chance. Donc, pour l'instant, deux signés et zéro brillance. Donc, pour l'instant, on est en dessous des stats. Ok, on est en dessous des stats encore. Alors là, notamment, Sikas ne l'a pas. Ok. Enos, très bien. J'ai trop de pression, si j'ai trop de pression, ça brille pas en plus, j'ai trop de pression. Il ne faut pas fléchir. Faut que je me concentre. Faut que je clique plus fort. Voilà, c'est voilà. Il faut cliquer plus fort. Salut Merlin. Ok, une brillance, pas de pop. On va y aller tranquillement, on va y aller tranquillement les amis. Sinon, il n'y a pas de. Sinon, voilà, il n'y a pas de spectacle. Si je vous donne directement tous les 5 nats et tout, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire? Colis assassin. Voilà, assassine, pardon. Nouveau perso sur son compte. Très bien. Donc, récemment, elle a eu un objet exclusif. Est-ce que ça la rend jouable? En vrai, malheureusement, il y a l'arte de cerise aussi qui s'est fait up. Allez, c'est parti, let's go! Let's go! Plus de luck! Maël qui envoie sa luck! Merci beaucoup, Maël! Je la reçois! Ça brille pas. Sonia, très bien. J'avais oublié, il faut tourner dans les aiguilles inverses de la montre. Ah non, non, bah c'est. Non. Changer de chat. Non, non, c'est le chat, Sikas. Le chat a choisi. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ok, ça brille, c'est bon. Ne jamais stack des evels. Peut-être, c'est con. Mais en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé ce soir. Ok, bah sur une tempête, c'est un perso que t'avais déjà. Très bien. Très bien, très bien. Cela dit, c'est pas nouveau. Arwell. Ok, ça brille. Tranquille, les amis, tranquille. Ça va, il en reste pas mal. Ok. Et voilà! Et voilà! Nouveau perso, c'est Spécimen! C'est excellent ça, c'est excellent! Eh, ça c'est excellent ça les amis! Qui en doutait? Qui doutait de mes talents d'invocateur? C'est Spécimen! Comment ça il faut pas stack? Alors là, alors, est-ce que tu me permets, Brumen? Ça serait incroyable. Si jamais on fait juste une invo et qu'on chope MLR Imita, comme ça t'as le combo MLR plus Spez. Est-ce qu'on fait ça, Brumen? Oui, vas-y, ok, let's go. Parce que, voilà, si jamais le jeu nous donne Spez, peut-être qu'il nous donne aussi. Ah non, dommage. Ah, par contre, ça aurait été insane. Ça aurait fait une vidéo de malade mental. Hein. Si j'avais cliqué, s'il y aurait eu MLR, ça aurait été un truc de ouf. Cela dit, ce n'est pas ce qui s'est passé. Eh bien, on va continuer les amis. En tout cas, ouais, ça aurait clip, de ouf. Hein. Ça aurait été magnifique, ça aurait été goldé. La cerise sur le gâtal. Eh bien, il n'aura pas fallu beaucoup signer pour choper un petit ML 5 étoiles, les amis. Donc, continuons.
Déjà, un, c'est bien. Un, c'est bien déjà, honnêtement, c'est bien. Elle sonne. Là, je me concentre, hein. Je me concentre, je suis à fond. Wanda. Soyons gourmands. T'as bien raison, Maladin. Un deuxième. Il y a une ruelle qui a été call dans le chat par Nixior. Alors, il n'avait pas Eton. Ok, excellent. Ça fait la collection, quoi. Comment on va? C'est quoi le buff de Spez? Aucune idée, Nacho. Aucune idée, Nachos. Et sinon, comment ça va? Bah, moi, ça va nickel. Hein. Je suis en train d'invoquer plein de signes Moonlight. Donc bon. Voilà quoi. Est-ce qu'il y aura une rediff des matchs? Oui, Glacial. Il y aura une rediff des matchs sur YouTube. Donc, pas de soucis. Pas de soucis. Bon. Léo, voilà quoi. Allez. Enos, encore une fois. Obishi, merci pour le follow. Installe-toi. Céleste. Sonia, très bien. Sombre pluie. Ok, donc là, on va faire rapidement quelques petites statistiques. On a 10 signés. Ça va taper. Une fois là, 7 fois là-dedans, 2 fois là-dedans, et une fois là-dedans. Moi je suis chaud pour partir sur un truc comme ça. 7 fois là-dedans, 2 fois là-dedans, une fois là-dedans. Ces spécimens. Ouais, il y a eu, déjà eu un at 5. Ok. C'est bon, ça brille. Quand ça brille, c'est forcément bien en théorie. Ok, c'est un 4 nat. C'est un 4 nat. Emelrin. Emelrin, c'est bien. Potentiellement, je ne sais pas si on va en voir ce soir des Emelrin. Je sais que Merlin en a une très rapide. À voir aussi ce qu'il a fait de ses stuff. Peut-être qu'il a changé ses stuff pour le tournoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est nouveau. Donc, tant mieux. C'est bien. Allez. Ça brille pas. Sven. Lorina. Lorina. Sonia. Oh non, 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 là ça doit briller là. Là ça aurait dû briller là. Je suis pas d'accord. C'est ce qui me semblait. C'est un 4 nat. Ok, Akates étoile filante. En plus, tu l'as déjà. Back to back. Back to back. Aïe, aïe, aïe. Pas de pop. Céleste. C'est compliqué là. Là, c'est il reste plus que 5 signés. Tout peut jouer maintenant. Rien ne peut se passer non plus. On propose la dernière sur le 666. Est-ce qu'on donnerait pas cette dernière invocation au diable? En vrai, on a déjà eu un 5 nat ML. Est-ce qu'on est dans les stats? On en avait 156. Ouais. Allez! On va offrir la dernière au diable, les amis.
Mais toi tu peux t'abonner, laisser un pouce bleu et ce serait vraiment insane. Si tu faisais les deux et tu peux même activer la cloche, avoir la notif et mettre un feu. Et nous notre nom c'est Adresse Shiny.